Oh punaise, il a lâché. Exprès pour la vidéo en plus concours. Comment je vais faire sans l'élastique? Je peux pas le faire tenir comme ça, c'est. Oups, ça tourne. Hey, ça cartonne Anthony et bienvenue dans ma vidéo pour la participation au concours Cinératé, hein. Comme tu l'avais dit donc, comme tu l'avais fait dans ta vidéo annonce, je t'ai préparé une vidéo en deux parties. La première où je dois te donner mon avis sur. Le Cinératé également, ce que j'en ai pensé ces derniers temps, ce que tu as pu apporter en plus, ce que tu as enlevé. Et la deuxième partie qui sera donc une petite caricature parodie du Cinératé. Alors, où malheureusement, bah, comme j'ai tenté de te l'expliquer sur Facebook, et j'espère que tu me comprendras, j'ai repris la même vidéo que le C-Aim Cinératé bonus hors série que j'ai toujours mis en ligne et qui reste à disposition, bien entendu. Où je te ferai donc une version courte, la plus courte possible pour voilà que je ne prenne pas plus de temps déjà que la vidéo de base est divisée en trois parties et que on est plusieurs à participer à ce concours. Mais bien entendu, je vais donc voilà, je me contenterai si elle te fera en espérant qu'elle ait toujours le même impact de faire donc une version courte du film que j'avais critiqué récemment en rendant hommage au Cinératé. Voilà, sans plus attendre, alors qu'est-ce que je pense du Cinératé aujourd'hui? T'as pas une idée, Michel? Non, plus sérieusement, tout simplement, j'adore toujours autant ce que tu fais. Voilà. Ça remonte à très longtemps quand je t'ai découvert, ça a été un numéro comme ça au hasard parmi les épisodes du Cinératé et j'ai tout de suite accroché, voilà. Et j'ai accroché à ton concept, puis j'ai découvert aussi par la suite tes toutes premières vidéos critiques avant le lancement même du Cinératé. Et déjà là, bah, pour moi, c'était certes des vidéos amateurs, mais voilà, c'était ton avis, ça me plaisait, ton humour n'a pas changé, est resté le même, et voilà, tu n'es parti de rien entre guillemets. Et tu es arrivé à ce que le Cinératé représente aujourd'hui. Enfin, c'est juste épique! Comme tu dis, c'est. Et je te dis ça, c'est vraiment pensé parce que voilà, c'est la première fois que je suis en contact avec un youtubeur que je qualifie comme célèbre, voilà, tout simplement parce que j'adore ce que tu fais. Et merci! Voilà, j'ai peur de bafouiller, mais merci, tout simplement. Merci à toi, merci d'être toi, d'être ce que tu es, social, jovial, enfin, mais merci d'être toi, ne change pas, reste comme tu es, c'est juste extrêmement sympathique, on rencontre peu de personnalités YouTube comme ça, comme toi, et voilà, on passe toujours un agréable moment par rapport aux épisodes du Cinératé. Chaque nouvel épisode, c'est à chaque fois une surprise, parce que c'est déjà prodigieux de trouver autant de films de merde, mais ça allait encore plus quand toi tu arrives à en faire quelque chose, parce qu'à chaque nouveau numéro, on se dit, putain, mais c'est juste épique, mais ça va être quoi le prochain? Mais vivement, ça va être quoi la suite? Mais comment il va faire pour faire quelque chose d'encore mieux? Et on arrive toujours à être surpris, voilà, c'est ça qui me fait plaisir. Je peux pas te citer comme ça des cinératés que j'ai aimé plus que d'autres, parce que voilà, il y a parmi les vidéos populaires qui sont plus vues, il y en a d'autres que j'aurais préféré à cause de certaines répliques, certaines attitudes, enfin voilà. Mais voilà, merci de toi, merci, merci aussi pour d'être aussi accessible par ta sociabilité, parce que voilà, bon, ça doit pas être facile tous les jours, hein, en particulier avec moi qui viens souvent te parler sur Facebook, parce que voilà, j'adore tellement ce que tu fais, je vais pas jouer les lèches-culs, ça serait dégueulasse, mais voilà, simplement merci, parce que en plus, bien sûr, donc, comme tu as abandonné la rubrique Question of the Day pour passer à plus de FAQ, bah c'est super agréable parce que on peut pas avoir accès et interagir avec une personnalité de YouTube aussi facilement et de façon aussi sympathique et conviviale quoi. Donc voilà, c'est la recette du Cinératé. Moi je l'apprécie comme ça. J'adore particulièrement les nouveaux formats parce que moi voilà. Je trouve aussi que c'est un traitement plus complet dans tes vidéos critiques, que c'est plus, voilà, c'est plus agréable, voilà, c'est mieux. Donc merci pour ces formats, merci pour les FAQ, merci de pouvoir discuter tout simplement avec toi, que ce soit sur Skype, Facebook, YouTube, enfin voilà, merci. Merci à toi, tout simplement. Ne change rien, reste comme tu es. Et bien entendu, tu as toujours mon soutien. Je pense que nous serons plein d'internautes
à te dire ça. Et bien entendu, une fois que tous ces films seront réduits en cendres, tu pourras leur donner le droit de mourir, n'est-ce pas? Car j'ai pu te faire, à ce sujet, une petite surprise qui était déjà prévue comme ça. Donc voilà, pour m'excuser aussi d'être peut-être de t'embêter, entre guillemets, un petit peu trop sur Facebook à force de vouloir discuter avec toi, parce que je sais que tu es très pris par les cinératés, les critiques cinéma sérieuses, ou même encore ton arrivée dans la web-série Crash. Donc voilà, je t'ai fait un petit dessin, étude d'infographie oblige, mais voilà, donc tu auras reconnu, bien entendu, sous son identité secrète, pardon, Tom, ton petit chat que l'on voit de moins en moins, malheureusement, et la Dark Code Code qui ne donnait pas de ses nouvelles. Donc voilà, j'ai fait une petite pensée, j'espère que ça lui plaira, autour de Bane. Bane, tu ne t'arrêteras donc jamais, Dark Code Code. Voilà, donc j'espère que ce dessin t'aura plu. Il y en a un deuxième, mais voilà, je me devais de te présenter celui-là avant. Donc, merci à toi. J'espère que cette première partie te plaira, qu'elle ne sera pas trop longue et qu'elle ne sera pas trop... pas trop complète. Enfin, voilà, moi, j'avais ce que j'avais à dire. Donc, il n'y a rien à changer maintenant au cinératé. Garde ta formule, garde ta version. Tout me plaît, donc ne change rien et reste comme ça. Et maintenant, je t'invite sans plus attendre à passer à la deuxième partie où je fais donc la version courte de ma critique déjà mise en ligne sur Mega Shark versus Crocosaurus. Waouh! Allez, à la prochaine et bye! See aim!